C'est alors qu'apparut le renard. Bonjour, dit le renard. Bonjour, répondit poliment le petit prince qui se retourna mais ne vit rien. Je suis là, dit la voix, sous le pommier. Qui es-tu? Dit le petit prince, tu es bien joli. Je suis un renard, dit le renard. Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince, je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon, fit le petit prince. Mais après réflexion, il ajouta, qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens, bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde et je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le petit prince. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre, le tien m'appellera hors du terrier comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé. Je ne mange pas du pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. S'il te plaît, apprivoise-moi. Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands, et comme il existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire? Dit le petit prince. Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil, et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus, mais chaque jour tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain revint le petit prince. Adieu, dit le renard. Voici mon secret, il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé.